Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto masque. Donc dans ma casserole, je viens y ajouter 3 verres d'eau. Donc, je vous montre à peu près à quoi ressemble mon verre. Et je vais venir y rajouter la star d'aujourd'hui, la maïzena. Donc je viens y mettre 2 cuillères bien bombées directement dans ma casserole. C'est vraiment un masque qui va venir donner de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Donc là, vous allez voir, j'ai allumé mon feu. Donc moi, je le mets à feu fort parce que je n'aime pas attendre. Et je ne vais pas m'arrêter de mélanger. Je touche aussi parce que j'adore cette texture. Donc je mélange sans cesse. Ça ressemble à du lait, c'est normal. Donc je viens mélanger et au bout d'un moment, il va venir se former des petits grumeaux. Voilà, comme ceci. Comme vous le voyez, il y en a aussi dans l'eau. Et ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc là, je ne vais pas mettre en accéléré pour que vous voyez bien. Il y en a de plus en plus qui se forment. Donc ça veut dire qu'on est presque arrivé au bout de notre préparation. Vous voyez comme c'est rapide. Donc je me mets à mélanger fortement et ça va devenir tout homogène, tout lisse, tout beau, tout parfait. Vous voyez, c'est la texture que je souhaite, donc j'arrête le feu. Si vous voulez une texture plus liquide, vous rajoutez de l'eau. Si vous voulez plus épais, vous laissez cuire encore un peu. Et voilà à peu près ce que ça donne pour moi. Ensuite, là, ça fait quelques secondes que j'ai arrêté. Je vous montre encore une fois la texture pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Toute lisse, pas de grumeaux. Vraiment, j'adore le toucher, ça va vraiment donner une brillance folle. Donc là, j'y rajoute de l'aloe vera. Je vous donne pas les quantités parce que franchement, c'est pas le masque que je fais tout le temps. J'y mets tout le temps des trucs différents dans ce masque de maïzena. Donc mettez ce que vous avez chez vous et ce qui va à vos cheveux. J'y mets de l'huile essentielle d'ylang ylang, surtout pour l'odeur, mais ça va super bien à mes cheveux. La glycérine végétale qui va rapporter ce côté humectant. Donc pour l'hydratation et de l'huile de moutarde. J'en mets une assez bonne quantité. Donc je viens mélanger le tout et le masque est fait. Vous voyez, c'est super simple, super rapide. La texture est ouf, c'est vraiment la texture que je souhaite moi pour mes cheveux. Elle va bien venir enrober les cheveux. Donc j'ai oublié de vous montrer à pause, mais bon après... vous posez comme vous voulez, c'est un masque. Je voulais juste vous montrer à quel point mes cheveux sont imbibés du produit. C'est ce qu'il faut. Ensuite, je les filme et je dors avec. N'hésitez pas à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à vous abonner, mes petites passions. Moi, je vous fais de gros bisous.